Salut à tous, c'est Sentas. Aujourd'hui, on se retrouve sur Call of Duty Black Ops 3 pour 3 éléments dissimulés sur la map bonus The Giant, qui est l'équivalent de la map Derizo, avec quelques modifications que nous allons voir lors de cette vidéo. Je vous propose tout d'abord comment obtenir une arme secrète cachée en plus de vos autres armes. Ensuite, je vous propose de découvrir comment avoir un atout caché. Et en dernier, je vous propose un enregistrement plus sous-titre des différentes radios dissimulées dans la map. Donc vous pourrez savoir où est-ce qu'elle se trouve. Il me semble que des fois les radios n'affichent pas le même message, donc c'est à vous d'aller en jeu et de les écouter. Voilà, bonne vidéo à vous. J'ai envie de faire un jeu. Si on jouait à cache-cache, ces paroles, mot pour mot. Oui, à me trouver. Je l'entends toujours et encore. Je le vois. La balise est allumée. Je sais où et quand tu te trouves. Tôt ou tard, je te trouve. Ça n'a pas l'air d'être une arme, Tom. Nous offrirons un meilleur avenir aux enfants. Je ne tremble ni devant la mort, ni devant les morts vivants. Dans la boîte magique. Et avant de bloquer le monde, je ne mourrai pas de tes seules mains. Défenseur de l'esprit du samouraï en déclin, j'ai presque l'impression de parler à mes ancêtres. Alors, que je m'adresse à un reflet de moi-même, l'homme dans le miroir, un autre lieu, une autre époque, un vieil plein de confiance et de bravade. L'enfant.
Maxis nous trouvera. Il me l'a promis. 66e jour. Les enfants sont partis. Et la maison semble bien vide. Leur rire et leur jeu me manquent. Cela fait plusieurs mois que les sirènes n'ont pas retenti. Je crois qu'il est possible que nous ayons retourné la situation. Mais à quel prix? Les niveaux de radiation des retombées demeurent dangereusement élevés. Notre sort est apparemment dans les mains d'un chat. Nous coopérons pour le meilleur. Fais-moi confiance, je suis docteur. Si les tests de transport de matière ont largement échoué, les dysfonctionnements du téléporteur ont produit des données intéressantes. Les sujets des tests ont indéniablement quitté leur point de départ. En revanche, on ignore ce qu'ils sont devenus. Richthofen continue à affirmer qu'ils n'ont pas voyagé dans l'espace, mais dans le temps. En l'absence de preuves empiriques, je ne peux adhérer à une telle folie. Je crains que Richthofen, caractère irrationnel, ne mette bientôt en danger notre entreprise. Me tuer? Toi? Non! C'est moi qui vais te tuer! Je m'accroche à l'idée qu'il reste un moyen d'arranger les choses. Si ma compréhension du domaine éthéré demeure fragmentaire, je suis convaincu que la manipulation de toute matière est cruciale pour l'appréhension du portail dimensionnel. J'espère de tout cœur que ma bien-aimée Samantha vit toujours dans le royaume de l'au-delà. Je ne peux que prier pour qu'Edward ait le courage de respecter le serment qu'il a prêté il y a tant d'années. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris des choses. En attendant, je vous invite à vous abonner, laisser un pouce vert, et je me ferai un plaisir de répondre à vos commentaires. Salut à tous!